Coucou tout le monde! On espère que vous allez bien! Bon, on se retrouve. Là, on fait un peu un room tour à l'envers. Je vous le dis direct, on fait un room tour à l'envers. Ouais. Parce qu'on est sur le balcon, parce qu'on voulait vous montrer tout de suite maintenant voilà. La vue qu'on avait du balcon. Franchement, c'est magnifique. Bon, les amis, vous l'avez compris, cette semaine, on est au ski! Et c'est la première fois. On va faire des trucs de ouf. Enfin, ouais. On espère. En tout cas, ça va être super sympa. Bon, vous venez? On montre un petit peu l'appart, on s'est installé. Ne dis pas qu'ils nous ont fermé. Vite, Tommy. Bonjour, monsieur. Allez, on repart. On repart du début. Donc là, on est trop bien. Ça, c'est bien. Donc, bonjour. Déjà, entrée. Belle entrée. Entrée, salle de bain, toilette, placard. Ok, ça, c'est l'entrée. Petite kitchen. Yes. Équipée, petit bouffon qui fait four. Petite plaque, petite hotte, petit tiroir, lumière, petit la vaisselle. Ça c'est très important. Ça remplace. Non, je rigole. Parce qu'après une journée de ski, tu fais pas la vaisselle. Bah, c'est à dire qu'on a pas trop envie, non. On est crevé. Après une journée de ski, on est crevé. Claude a tapé la coupe, hein. Et ouais, pour le ski, hein. Grave. Et tu sais que t'es blanc là, ça y est, hein. Ouais. Parce qu'au début, la couleur n'était pas. Il se fait temps. Pour le début de ski, voilà, on dit très blanc. Je voulais aussi montrer la taille du frigo, les gars. Parce que nous, quand même, on est 6. Et j'avais un peu peur que le frigo soit un peu léger. Attention Taiko. Lui il est dans le frigo. Ouais, parce que ce soir on fait une raclette. On est allé prendre un petit appareil à la réception parce qu'ils prêtent des appareils et tout. Appareil à raclette, fondue, trop sympa. Jeu de société. Exactement. Vraiment, c'est trop sympa. Donc, super résidence. Tout ça pour dire que moi je suis quand même hyper. J'étais étonnée, franchement, on va le dire, j'étais étonnée quand on est rentré. Je m'attendais à un truc plus petit. Forcément, moins de place, je m'attendais à vraiment plus petit, je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi bien. On a de l'espace. Hein. On a de l'espace, on a une petite table sympa, un petit canapé lit, les jeunes ils sont là. Il est bien. Il y a la téloche. La télé, voilà. Tommy ? Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ouais, franchement, et j'ai envie de dire, la partie en haut. On y va, Tommy ? Tu nous fais visiter ton étage ? Regarde-moi, c'est baie vitrée. Carrément. Ouais. Jusqu'en haut. Bon, par contre, c'est vraiment. On peut pas fermer les fenêtres. On n'est pas assez grand. N'importe quoi. Non, je rigole. On pense à tout. Coucou ! Il y a une petite mezzanine en haut. C'est trop bien foutu. Trop bien. C'est trop bien foutu. On monte ? Bien agencé. Franchement, c'est top. Ouais. Allez, on monte. Allez, let's go. On monte. Allez, je vous suis. Ok, vas-y. On va tous en haut. Carrément, on va tous en haut. On va aller récupérer Amy. Parce que Amy est... Ah ouais, c'est vrai, vous avez pas vu Amy encore. Amy, elle est pas encore là. En fait, on n'a pas emmené Amy au ski. Attention! Donc là, c'est la partie haute. Avec Amy, Tommy et notre chambre. Comme ça, les jeunes, ils sont en bas, ils sont tranquilles. On n'a pas tout à fait les mêmes horaires. Il y a une petite Kiki qui monte aussi. On n'a pas tout à fait le même rythme de vie. Bah alors, mon Titi. Coucou! Regardez comment ils sont bien ici. Entre les jambes. Voilà. Et franchement. Lits superposés. Ouais. Franchement. Je veux expliquer. Ils sont vraiment superposés. Explique-nous. Alors. Explique-nous. Là, c'est mon lit. Ouais, tu dors bien hein? Ouais, je dors très bien. On a un animal à l'étage. Ici, non, je parlais pas du chien. Ici, c'est l'itomie. Ah, d'accord. Ici, c'est l'itomie. Ouais. Là, ici, bon, on avait un peu nos parties. Avant, oui, pourtant. Voilà, t'as capté. Ici, c'est le côté Tommy. Ici, c'est mon côté. D'ailleurs, on a un peu mélangé, mais bref, c'est pas grave. Ici, c'est mon côté. Bon, ah oui, mais en fait, t'as tout pris en fait. Elle a tout pris. En fait, tout ça, c'était le côté Némi, quoi. Ok. Coucou, Taiko. C'est ça, les filles. Elles prennent trop de place. Ouais, de ouf. Hein, de ouf, hein. Mais c'est un ouf, lui. Bien sûr, hein. Guettez mon Dites-nous dans les commentaires. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Dites-nous dans les commentaires, team fille, team garçon. Moi, je suis pas d'accord. Parce que nous, généralement, les filles, on est quand même vachement plus rangées que vous, les mecs. Vous avez beaucoup de... D'ailleurs, c'est moi qui ai arrangé l'affaire de Tommy. Mais vous avez 5 fois plus de vêtements. Voilà, franchement, ils ont beaucoup, ouais. Vous avez beaucoup de vêtements. Et l'exception. De quoi? T'es un peu bordélique. Mais MDR. Quoi, tu fais genre? Mais... Non, mais après, faut dire... Elle a quand même... Et 5 fois plus d'affaires. 5 fois plus d'affaires. 5 fois plus d'affaires, 5 fois plus de place. Mais Amy a rangé son dressing. Attends, soulignons. Qui est mis à ranger son dressing avant de partir. Oui. Tout est sur Vinted, les gars. Nous, les gars, on a un bordel organisé. C'est ça. Ouais. Mais de quoi bordel. Je parle? On continue, les gars, ou quoi? Allez, on continue. Bah, continue, parce qu'après, c'est parti, là. C'est notre chambre. Ah. Voilà. Nous,
fin fond de l'appart. Voilà, on est trop bien. Ouais, franchement, on est trop bien. Il y a un petit placard. Un petit placard ici. Voilà. Attention, chère. Voilà, voilà. La salle d'eau qui est là. Donc, il y a une salle de bain. Il y a une salle de bain à l'étage. Il y a une salle de bain au rez-de-chaussée. Et en plus, ils ont une baignoire. Ouais, non, mais je te jure de ouf. Ouais, trop de la chance. Hein. Sérieux, quoi. Après le ski, un bon bain. Non. Oh là là, trop de la chance. Et là, on a une salle d'eau. Voilà, toilette. Donc, lavabo. Ah oui, parce que non, mais attends. Deux toilettes, voilà. Deux salles de bain. Voilà, ça, c'est vachement bien. Et non, pas le chien, non, pas ici. Voilà, là, il y a la douche. Franchement, donc, super. Là, le petit lavabo. Ouais. Voilà. Ouais, c'est franchement super bien agencé. On est trop bien. Ouais. Et nous, alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'on se prend l'apéro sur la terrasse, le midi, le soir, et tout. Voilà. Bon, on peut peut-être redescendre, là. Ouais. Attends, je prends juste mon petit. Ouais, vas-y. Mets-la. T'as pas de saucisson, t'es moins pétissant, là, tout de suite. C'est pas la lumière. Il y a moins envie de venir. Je viens de manger une tranche, j'aurais pu ouvrir la bouche, tiens. Taiko, regardez, on est bien. Oh là là. Non, franchement, le coup de la mezzanine, c'est terrible. Ah mais c'est top, hein. Franchement, c'est trop top. C'est terrible de chez terrible. Et ce soir. Coucou. Coucou. Coucou à qui? Ils sont où là? Elles suivent. Tu vois, les femmes, elles suivent pas. Ah. Mais elles ne suivent pas les femmes. Allez, allez. Amy, est-ce que j'en mets une de ta part? Attends, mais. Non. Ça fait quoi de toucher la perfection? Bon, c'est incroyable. Je vous rejoins. Non mais est-ce que t'as entendu? Est-ce que t'as entendu ce qu'il a dit? C'est pas comme une chienne. Amy, est-ce que t'as entendu ce qu'il a dit? Oui, il a dit. Ça fait quoi toucher la perfection? Non mais Tommy ferme les volets. Attention. Super. Voilà, il est en train de fermer les rideaux. Bon. Ouais, c'est franchement. Attends, tu sais ce que j'ai envie de? J'ai envie de montrer ce qu'on mange ce soir. Est-ce qu'on a mangé ce qu'on mange ce soir ou pas? Allez. Allez, vas-y, j'arrive, je descends. Viens, on va montrer ce qu'on mange ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Tim? Ouais. Fries? Coucou. Peux-tu montrer ce qu'on mange ce soir? Ouais. Et on a chéri ou pas? Hein? La présentation. Regarde. Ça, c'est moi, ça. Regarde ce qu'on mange ce soir. Alors, attends. Vas-y. Parce qu'on a acheté de la charcute. Il y avait un petit bout de fromage collé. On a acheté de la charcute exprès. On est descendu. Guetta, je sais pas. Ouais, mais c'était où la boutique? C'était un truc vraiment qui est renommé ici. On était la coopérative laitière. C'est ça. La coopérative laitière. Et regardez un petit peu, faut pas que je vous connaisse. Nous, on a l'odeur. Ouais. Hein? L'odeur. Regardez. Oh mince! Attention au chien. Et en plus, je venais de dire, faut pas que je fasse de bêtises. Putain, c'est le nôtre en plus. T'inquiète, je vais le prendre. Non, t'inquiète. Bah non, t'inquiète. Voilà, enfin, tout ça pour vous montrer qu'on a acheté du fromage de raclette de fou malade. Et qu'on va se régaler à deux. Donc les amis, tout ça pour vous dire que, franchement, on est trop bien. On est trop bien. On reste très bien. Hein. Deux semaines, trois semaines. On a dit au début de vidéo qu'on était au Rock Belfast. Non, là, notre grand Rock Belfast. On marquera. Résidence Lagrange. Et on est au pied des pistes. Regardez. On est au pied du funiculaire. Et on est quasiment au pied du centre Mont Blanc. Bah, on est vraiment au pied de tout. Hein. Ouais. Moi j'ai envie de dire, on fait l'outron sur le balcon. On descend de la résidence. On est au 11e étage. Ah bah on est au pied du Mont Blanc. Et on descend et en fin de compte, on va prendre le télésiège qui est juste en bas. Juste ici, le télésiège il est là. On descend juste là. Et en plus, le truc qui est trop bien, au Mont Blanc. C'est dans le grand chalet, on n'a pas froid. Parce que tout est en bois. Ah non, franchement. Bah, c'est-à-dire qu'il y a des radiateurs aussi, quoi. Voilà. Non, mais. On est trop bien. Et la vue, elle est trop bien. Et je tiens à préciser qu'on est tous allés au sommet de la montagne. Eh, ils sont en train de manger le fromage? Non. Ah. Ah. Attends, faut les surveiller. Vas-y, renoue trop les gars. Eh, vous venez faire le trou sur le balcon? On boute, parce que ce serait dommage. C'est pas face à la mer. C'est face à la montagne. Je suis là, Tommy. Je sais qu'à où. Oh non, ils vont manger la raclette sans nous. Hein? Les enfoirés. Allez, venez, on fout notre dehors. Bon, les amis, on espère que ce petit room tour vous aura plu. Nous, c'est notre house tour. C'est house tour, c'est vrai, house tour. House tour. Tout à fait, mais il faudra que je note sur le titre d'ailleurs, parce que j'aurais été capable de marquer room tour. Et donc, je disais qu'on a tous été au sommet de la montagne, alors qu'on est tous des buteurs. Encore plus que là-haut, là, on voit pas. Tout en haut. Ouais, c'est vrai. Bah, derrière, vous avez tous géré de fou cette semaine. Et je vous assure que je vais quand même. Ouais, il y a des petites gamelles, les gars. Bon, quelques petites gamelles. Il y en a des gamelles. Tu crois que t'en as filmé quelques-unes? Ouais, je pense, ouais. Ah, ça serait cool. Ouais, c'est sûr. Ça serait plutôt drôle. Eh ben, les enfants,
sur cette magnifique vue. Voilà. On va vous souhaiter une bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Non mais franchement, la station Les Arcs, c'est vraiment la frappe renouvelée. Franchement, à refaire. Franchement, on reviendra l'année prochaine. Une semaine de plus. Ah ouais. Il y a encore des gens qui sont en train de la luge. Des pistes de luge aussi. Des pistes de luge, il y a tout. Non, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Le centre-ville est juste là-bas. Enfin bref, c'est de la frappe. Les amis, suivez nos péripéties parce que forcément, il y a des petites vidéos YouTube qui arrivent, des chutes, des gamelles, des accidents et tout. Ça va être sympa. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Rejoignez-nous sur Insta et TikTok. Abonnez-vous avec la cloche. Et on vous fait à tous de gros bisous.